Zombie apocalypse. Ok. Tu peux le faire. Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour la suite, la partie 2 du chapitre 3 de Tell Me Why. Donc, comme on avait pu le voir dans les épisodes précédents, Allison et Tyler étaient un petit peu en froid. Et Allison avait des crises de panique. Donc là, elle a pris la décision d'aller parler à Sam. Si on se rappelle bien par rapport à l'épisode précédent, mais je vous le remettrai tout le let's play en fin de, à la fin de cet épisode, de toute façon. Comme ça, vous pourrez tout revoir depuis le début. Donc, on va aller parler à Sam pour savoir si Sam est leur père. Super, il est là. Allez, c'est parti. Famille à grand jour. Putain. Oh, Ali, je... Bonjour. Salut, Sam. Est-ce que ça va? Oui, ouais, ça va. Donc, j'étais au commissariat et je repensais à quelques trucs. Hein? Tu nous connais depuis un moment. Toute votre vie! T'as même vomi sur ma chemise en jean un jour. C'est un beau souvenir. J'arrive pas à remettre la chaîne et les couvercles de soupape. Sinon, tu voulais quelque chose? Je passais dans le coin et je voulais savoir comment t'allais. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes sur les docks. Il y a toujours des problèmes sur les docks. Qu'est-ce que tu fais? Mon cousin Billy a acheté un vieux bateau, mais il a noyé le moteur en voulant le sortir, ce con. Je lui ai dit que je le réparerai. T'en as pour longtemps? J'aimerais vraiment qu'on discute. J'ai pas besoin de mes oreilles pour réparer un moteur. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Il est où ton frère? On s'est pris la tête. Les rivalités fraternelles, hein? Fallait voir les embrouilles qu'on avait avec mon frère. Vraiment. On n'y allait pas de main morte. Waouh. C'est un très joli sextant. Oh que oui. C'est un cadeau de mon ancien équipage pour mes 30 ans. Il est magnifique. Il sert surtout de décoration ces temps-ci.
J'ai toujours préféré faire les choses à l'ancienne, tu vois. Alors, comment ça avance? Franchement, physiquement douloureux. Ce sera vraiment un miracle si je me bloque pas le dos. Laisse ton frère s'occuper du plus gros. Pour que lui se bloque le dos, c'est pas mieux. Donc, qu'est-ce que tu fais à traîner au beau milieu de la journée? J'ai pris ma journée. Sam, on peut parler. C'est assez important. Eh ben, c'est pas ce qu'on fait. Alors, tu galères? Les écrous sont grippés parce que mon idiot de cousin les a laissés rouiller. Il y a une bombe d'anti-rouille quelque part. Si tu la vois, tu peux me la passer, s'il te plaît. Oui. Ça irait? Merci, princesse, mais c'est pas ça. C'est une bombe rouge. Je suis pas une princesse. Et ça alors? Hein? Toujours pas. Elle devrait être sur l'une des étagères là-bas. Te casse pas la tête. Il avait bien parlé de serrer. Hey, Ali, tu peux voir si j'ai pas une bombe d'anti-rouille quelque part dans ce bazar? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis coincé le doigt avec cette foutue clé. Tu peux me trouver de la gaz? Il devrait y en avoir dans ce placard. Je crois que j'ai de la gaz dans un placard près de l'évier. Sam, est-ce que t'es notre père? Je me doutais que tu poserais cette question un jour. Alors? J'aurais aimé l'être. Tu te fous de moi, c'est quoi cette réponse? Je suis désolé, Ali. Mais l'homme que tu cherches, c'est pas moi. Oh, d'accord. Je vais devoir te croire sur parole, hein? Hey, t'as pas le droit de te fâcher contre moi, alors que j'y suis pour rien dans cette affaire. Vous étiez si proches tous les deux. Je sais que tu comptais beaucoup pour elle.
Tu crois sérieusement que je vous aurais laissé grandir sans père? Je vaux peut-être pas grand-chose, mais... je suis pas un lâche. Tu dois bien savoir quelque chose. Non, vraiment. Ta maman, elle a jamais... Écoute. On était seulement amis. Enfin, regarde bien le vieux Sam. Aucune femme comme Marianne poserait les yeux sur... sur un type comme moi. J'en ai vraiment ma claque. Je suis fatiguée. J'en ai tellement ma claque d'essayer de percer tous les putains de secrets de Marianne. Je la comprends pas. J'ai tellement envie de la détester. Mais je sais même pas qui elle était. Viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. C'est tout ce qui compte. Un capitaine héroïque sauve son équipage. Samuel Kinski, capitaine de l'Armiac. Chaque Rose, âgée de 29 ans, n'a pas hésité deux fois avant de se jeter dans les eaux glacées du Mitchell Point pour secourir ses membres d'équipage après le chavirement de leur navire au large de Juneau en Alaska. Et on en est où des objets à collectionner par curiosité? Alors, en chapitre 1, on les a tous. Chapitre 2, donc chapitre 1, on a les 5. Chapitre 2, on a les 5. Et là, on les a tous. Donc, c'est bon. Continue. Tu veux t'asseoir? J'arrive, mais je fouille. 28 octobre, paiement à l'ordre de Samuel Kinski, $150, Richard Kinski. Pourquoi il y a une casserole brûlée dans ta poubelle? Je me suis endormi en préparant le dîner. Ravi que t'aies survécu. Ok, c'est une recette. C'est quoi tout ça? Tiens, je... quelques souvenirs. C'était l'œuvre de ta mère. C'était une vraie artiste, celle-là. Un peu comme toi. Les lames du complot. Je l'ai emmenée le voir pour son anniversaire. Elle en a détesté chaque seconde. Elle n'arrêtait pas de dire qu'ils avaient massacré les livres. C'était un livre? Je crois, oui. Ça devait être un de ses préférés. Elle était furieuse.
Cher Sam, la plupart des ours ne vivent que 20 ou 25 ans, alors je te félicite d'être arrivé jusqu'à 29. Je n'aurais pas survécu longtemps ici sans toi. Alors encore une fois, merci pour tout ce que tu fais. Laura a beaucoup de chance de t'avoir. Je sais que pour toi, le meilleur est déjà passé, mais tant que tu ne l'oublies pas, l'arniac Shaq, Ross pourra toujours prendre la mer. Il aura juste l'air un petit peu plus petit dans nos souvenirs. J'espère que tu pourras passer du temps en mer avec Richie ce week-end et tu feras de belles prises et en garderas de jolis souvenirs. Joyeux anniversaire, mon très cher ami Marianne. Ah, je me souviens de ça. On l'a acheté en vacances à Juno. Elle a mis de côté pendant un an pour vous y emmener. Cher Sam, je t'écris depuis le petit hôtel que tu m'as conseillé dans le centre de Juno et tu avais raison. Les enfants adorent la fresque avec les baleines. On a aussi aimé celle avec les corbeaux à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, on a pris le tramway pour monter sur le mont Roberts. Les enfants voulaient monter à pied, mais on a dû s'arrêter au totem. Aujourd'hui, on part en randonnée jusqu'aux cascades Nuggets pour voir si le glacier a toujours la même allure que de ce côté-ci. On croise les doigts, j'espère que la pêche est bonne, Marianne. Regarde ceci. Elle a l'air heureuse. C'était le cas. C'était quand? Pourquoi tu portes un chapeau carré? C'était quand j'ai enfin décroché mon brevet de capitaine. C'est Marianne qui m'a poussé à le passer. Elle m'a fait porter ce truc le jour où j'ai prêté serment. Ah, c'est Laura qui l'a prise. On a passé des mois à taper cette grange. Ce toit était un enfer à recouvrir. La pluie arrêtait pas de s'infiltrer dans le grenier. Quoi? Il y a un grenier dans la grange? Bah oui, tu savais pas? Non, elle nous a jamais dit. Est-ce que c'est une trappe? Ouais, elle m'avait demandé de tout refermer. Je lui avais dit que ce serait difficile de faire passer le foin ici, mais... elle disait qu'elle s'en fichait. Tu sais ce qu'il y a là-haut? J'ai bien compris qu'elle voulait pas en parler, donc... j'ai pas insisté. Bon, on va devoir tout vider pour la vente, donc... on le saura bien assez tôt. Ali, tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Je te l'ai dit, cette maison était tout pour ta maman. C'est tout ce que je... c'est tout ce qui nous reste. Tu peux pas tout balancer. Je suis désolée. Je sais comme tout ça a été dur pour toi. Mais tu dois aller de l'avant. Ce qui est fait est fait. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un. Je t'ai déjà raconté la fois où je me suis cassé la jambe. J'avais le tibia fendu en trois endroits. J'ai pas pu bouger pendant un mois. J'étais un vrai boulet. J'étais tellement déprimé que je sortais même plus de mon lit. Mais ta maman a décidé que ça se passerait pas comme ça. Elle m'a fait lever un matin et m'a conduit à un joli petit coin sur le port. On a regardé les bateaux entrer et sortir toute la matinée. Tu peux pas te laisser définir par ce qui est brisé en toi. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu dois trouver le moyen de faire avec ce que tu as. Je repense à ça. Souvent. Je dois...
Hey, Tyler. Ça fait un moment que je te cherche. Ça va? Ouais, ça va. Oula. Tu vas venir t'asseoir, d'accord? Allez. Écoute, si tu veux être seul, je m'en vais. Mais si t'as besoin de vider ton sac, je dirai rien. T'as vu Alison? Comment elle va? Ouais. Je suis passé la voir ce matin. Elle était dans un sale état. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, ça l'a anéanti. Écoute, je veux pas te mêler à ça. Ben, j'y suis déjà mêlé, et t'as vraiment mauvaise mine, donc... J'ai trop de choses en tête. Ben, je sais quoi faire dans ces cas-là. Comme le disait un sage, la pêche est le remède aux peines de cœur. Le sage, c'était toi? Eh, je te l'ai dit. Faut que j'écrive mes mémoires. Bon, t'es partant? Je sais pas. Allez, on perd du temps, là. On y va. Alors, on va où? Pourquoi aller quelque part quand on a un lac parfaitement joli juste ici? Pêcher sous la glace en novembre. Ouais. Ça s'est vite refroidi cette année. Changement climatique. On va tous mourir. Mais d'abord, allons pêcher! Tu peux marcher derrière moi si t'as la trouille. Mais c'est qu'il est sérieux en plus. Je suis quelqu'un de très sérieux, Tyler. Tu viens? Il faut aller chercher le matos dans la voiture. Le décor est planté, c'est l'heure du show. C'est quand tu veux. T'es sûr que tu veux pas le faire? Non. Écoute, il n'y a pas moyen que je te vole ta première prise sur ton propre terrain. Ok. T'as tout ce qu'il faut, c'est bon? Ouais, t'inquiète. Mec, ça va me manquer tout ça. De quoi? Juste sortir ou aller pêcher. J'aurai plus beaucoup de temps quand on aura déménagé à Juno, avec les cours, la CEJ et tout. Ouais, c'est vrai. Des personnes avec qui t'étais à Firewheat se sont installées à Juno, du coup? Oh, je sais pas trop. Quand ils partaient, je gardais pas trop le contact, en fait. Ah ouais. Les gens arrivaient et repartaient. Et puis, tout le monde finit par tourner la page, non? Pas tout le monde. Pas ceux qui deviennent proches comme une famille. Mais j'ai déjà une famille. Ben, c'est pas pour rien qu'on compare les familles aux arbres. Ils cessent de faire pousser de nouvelles branches et... Oh, je crois que ça mord. Tu peux le faire. Remonte-le. Allez, remonte la ligne. Oula, un jeu de pêche. Décidément, dans tous les jeux... Et maintenant, tire d'un coup. Je l'ai, c'est bon, je l'ai. Espèce de petit... Je l'ai. Bravo. C'est qu'un début. Doucement. C'est un marathon, pas un sprint. Merci, Sensei. Eh, au fait, tu voulais pas organiser une virée au Buzzardol? La rivière risque de geler bientôt, donc il vaut mieux pas tarder. Ouais, t'as raison. Super. J'ai l'intention d'y aller samedi. Je te récupère avant de partir. Cool. Du coup, je mettrai mon réveil à l'heure des poules. T'as ce gros sac juste pour la pêche sous glace? On mélange pas n'importe quoi. Jamais. Ouais, tu rigoles pas, toi, hein?
Je te l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un de très sérieux. Alors, de la pêche sous glace. Bah, ouais. Je vois pas ce qu'il y a de mal à se tenir au beau milieu d'un lac gelé. Ok, c'est parti. Et c'est reparti pour la pêche. Allez, remonte la ligne. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, chapeau. Alors, c'était pas que de la gueule? Impressionné. Je vois que deux poissons dans ma glacière. Pour l'instant. Bon, tu vas me dire ce qu'il y a dans la glacière ou quoi? Je pourrais te le dire. Ou je pourrais te laisser galérer encore un peu. Ah, t'es vraiment une personne horrible. Tu le sais, ça? T'as vu ça? Du coup, pour hier soir, je sais pas ce qu'Alison t'a dit, mais de mon côté, ben, je pensais qu'on était en phase. Mais en fait, c'est pas le cas. Hé, hey, bon, lui répète pas, mais la semaine dernière, ta sœur était quasiment insupportable. Elle sautait dans tous les sens, elle avait hâte de te revoir. Sérieux? Ah ouais, tu peux me croire. Écoute, la dernière fois que vous vous êtes vus, vous étiez gamin. C'est pas parce que les choses ont changé que vous pouvez pas les arranger. Je sais. C'est peut-être ma faute. Je suis allé trop loin hier soir. C'est juste que je comprends pas pourquoi il faut toujours qu'elle prenne la fuite. Tu peux pas lui en vouloir. Éviter le problème ne fait pas disparaître. Elle fait tellement une fixette sur la vente de la maison. On dirait qu'elle cherche à enterrer le passé. En entier. Même les bons souvenirs. Bon, je prends pas parti, mais elle a toujours été la fille de la maison sur le lac, depuis cette histoire. Là, elle a enfin une chance de tourner la page, et de repartir à zéro. Merde, j'aurais hâte aussi à sa place. Ouais, enfin, j'étais le gamin qui a tué sa mère, et j'ai quand même réussi à faire face. Je veux dire, je suis là, je fais des efforts, même si, tous les jours... Je dois me battre contre mon envie de retourner là-bas. À Firewind, tu veux dire? Ouais. En fait, quand je suis arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. J'avais l'impression d'être en cage. Mais avec le temps, c'est devenu un peu comme un cocon. J'ai vraiment appris à me connaître là-bas. Mais maintenant, le truc, c'est que je dois apprendre à être cette personne ici. Écoute, si ça peut te rassurer, nous non plus, on sait pas trop ce qu'on fait. C'est peut-être la merde en ce moment, mais ta sœur t'abandonnera jamais. Et tu peux te reposer sur moi aussi, si tu veux. Mais fais gaffe, ok? Mon épaule gauche est douloureuse. J'essaierai d'y penser. C'est cool, merci. Y a pas de quoi. Surtout, dis rien. Encore? Je peux le faire. Doucement. Oh. Wow. Bim. 3 sur 3. Bien joué. Y'a rien à dire. T'as géré. Je suis un peu déçu. Je peux te poser une question un peu chelou et peut-être un peu compliquée. Chelou et compliqué. C'est ce que je préfère. Allez, dis. Comment t'as su que t'étais prêt à faire assez confiance à quelqu'un pour te jeter à l'eau? Ah, ouais. C'est clair. C'est une question compliquée. Je t'ai prévenu. Ben, en fait, y a pas 36 solutions. Faut être prêt à en payer le prix. Ben, j'ai arrêté d'écouter de la musique indie folk seulement parce qu'on m'a plaqué à un concert une fois. Mais j'y suis retourné, comme tous ceux qui se sont déjà fait piétiner le cœur. Parce que quand tu rencontres quelqu'un qui voit qui tu es vraiment, t'as pas besoin de faire semblant.
Je vais pas te contredire. Mais c'est un peu risqué, non? Ouais, c'est sûr. Mais la vie est trop courte. Donc quand j'ai l'occasion, je la prends. Quitte à en souffrir la mort. Eh ben, il devait être un peu con de planquer comme ça, non? Ben, tu sais, en fait, sans vouloir m'avancer, je dirais quand même que je suis une bonne prise. C'était un jeu de mots. Certaines personnes méritent qu'on leur fasse des jeux de mots. Tu trouves pas? Je crois qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Ah oui? Ouais. J'ai le sentiment de pouvoir dire ou faire ce que je veux avec toi, sans être jugé. Je me sens en sécurité. Tu l'es. Parce que ta sœur me tuerait si je te faisais un sale coup. Ouais, c'est clair. Bon, on dirait que ça mord pas des masses. Tu veux que je te montre comment on fait? Ok, vas-y. Hé, tu rates le spectacle. Quand tu voudras pêcher ou t'enfiler un pot de glace entier dans la neige. Un seul pot? Quel petit joueur. J'ai pas voulu les faire se rapprocher parce que ça n'aurait pas été logique avec les réponses qu'il y avait eu avant. Voilà. Mais on imaginera que plus tard, ça fera un très beau couple. On devrait se refaire ça, ce serait cool, pendant que je suis encore en vie. Grave, t'as mon numéro. Ah, salut Ali. Je crois que je vais y aller. Ok. Désolé. T'inquiète. On se voit plus tard. Désolé de vous interrompre. Non, t'inquiète pas. On avait fini de toute façon. T'as attrapé un truc ? Ouais, enfin, surtout de la glace. Tyler, je suis désolée d'avoir flippé hier. Tout ça, ça a été très dur pour moi. Non, t'excuse pas. J'ai vraiment été con. J'aurais jamais dû te mettre la pression. Viens ici. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué? Et c'était qu'une journée. Ouais, il paraît que je fais cet effet-là. Gros malin. Bon, ok. J'ai quelque chose à te montrer. C'est quoi? Tu commences à m'inquiéter, là. On peut s'asseoir une seconde? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de chez Sam. C'est pas lui notre père. Comment tu le sais? Je lui ai demandé, tout simplement. C'est pas étonnant. Aller mettre le feu à la grange, c'est pas vraiment le genre de Sam. Ouais, en fait, c'était juste idiot de l'avoir soupçonné.
Il n'aurait rien fait aux enfants de Marianne. Et il y a autre chose. Regarde ça. Elle a été prise en 1992, quand Marianne s'est installée à Delos Crossing. Tu vois cette échelle? Ça me dit qu'il y a un grenier dans la grange. Il l'a aidé à le construire. Apparemment, elle n'en a jamais parlé à personne. Et c'est encore là? À sa connaissance, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit de tenter le coup? On est arrivé jusque-là, et il y a un grenier caché. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça sent les secrets à plein nez. On y va. Oh, quel bordel. C'est pas ça qui va nous aider à vendre la maison. Tu crois qu'il y a quoi là-haut? Je sais pas. J'essaie de pas me faire de film. Mon cerveau partait vraiment en vrille. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, je te protège. On verra si t'es aussi vaillant quand des chauves-souris viendront se loger dans cette chevelure parfaite. Ok, quoi là? Je sais pas. J'essaie de pas me faire de film. Mon cerveau partait vraiment en vrille. T'en fais pas. Peu importe ce qu'il y a là-haut, je te protège. On verra si t'es aussi vaillant quand des chauves-souris viendront se loger dans cette chevelure parfaite. Ce sera l'angle de la porte. La poignée doit être derrière ce meuble. Ah, la voilà. Ça s'ouvre. La gardienne des secrets cachait vraiment tous ses secrets dans les nuages. Ouais. Allez, cherchons un moyen de grimper là-haut. Bon, c'est bien trop haut pour sauter. Tu me fais la courte échelle? Si tu crois que je vais toucher tes chaussures sales, tu rêves. On va trouver une échelle. Tu vois quelque chose? Non, nada. Là, un interrupteur. Putain. Je crois que je viens de perdre 2 ans d'espérance de vie. Tu le reconnais ?
Ouais, ça vient du conte des gobelins pièges du chasseur fou. Ça y ressemble, mais c'est différent, non? Tu peux vérifier dans le livre? Alors, vous savez quelle est l'image? On a une image comme ça avec le... leur monstre. C'est le jeu un petit peu des 7 erreurs. Ben, la voilà. À ton avis, pourquoi elle a changé les images? Je sais pas. C'est peut-être un message, comme si chaque différence avait une signification. Ça dirait quelque chose sur Marianne, non? Puisque c'est elle la princesse. Ouais. Et si on essayait de toutes les trouver, puis de voir si on en tire quelque chose? Ok, alors, The Goblin Trick the Mad Hunter. Ok. Bon, on va tout désélectionner. Alors ça, je n'ai pas choisi. Le titre, c'est sûr, c'est pas le même. Ok. L'arbre. C'est pas le même. Le château y est pas. Ça, c'est une branche. L'arbre. Même si la branche est un poil différente, je pense pas que ça veuille dire quoi que ce soit. La main. Non. Attends. Ou pas. Même si la branche est un poil différente. Attends. En fait, je sais pas trop. Attends. Même si la branche est un poil différent. Peut-être pas. Mais le titre est bien différent. Alors, le titre, c'est pas bon. L'arbre. Les gobelins. La princesse et le château. The Goblin Trick, The Mad Hunter. Et ça, c'est pas le même titre. Ensuite, le château, il n'y est pas. Peut-être pas. Donc on va le mettre. Ensuite, il n'y a pas la princesse. Il n'y a pas l'arbre. Et la main. Yes. J'ai trouvé. Waouh. Il y a quoi dedans? Alors. Déjà, sur la porte, il y a une lettre, hein, la lettre O. On pourra s'en rappeler. Alors. Ces photos, ces lettres, tu les avais déjà vues? Toutes les photos de Marianne que j'ai vues sont celles accrochées au mur. La dame dorée, c'est sa mère, c'est certain. Alors, tu crois que Marianne a grandi dans une famille riche? Peut-être. Ça aurait été sympa d'en profiter un peu. Oh, la pauvre. Pourquoi elle garderait un vieux dessin d'un oiseau ici? Polly, mon petit oiseau. Ah, elle avait un oiseau. Waouh. Je crois pas avoir déjà vu une photo d'elle aussi jeune. Je crois que c'est sa mère derrière. Marianne, ça ne peut plus continuer. Tu mérites mieux que ces conneries du style « ce n'est pas toi, c'est moi ». Mais pour te dire les choses en face, tout ça est trop dur à gérer
et j'ai compris que je n'étais tout simplement pas prêt. Si on avait pu faire les choses à notre façon, sans ta mère pour nous mettre toujours la pression, alors tout aurait été différent. Mais le mal est fait, et c'est sans doute trop tard maintenant. Je suis vraiment désolée, tu es une personne fabuleuse et tu as fait de moi un homme meilleur. Je me déteste de faire ça, mais je crois que tous les deux, on serait mieux l'un sans l'autre. Et me revoilà avec mes clichés. Surtout, ne change jamais ici, mais ailleurs, Brent. Qui est ce Brent? Plus mystérieux que ce type, tu meurs. Tu penses que ce type avec elle, c'est Brent? Celui des lettres? J'imagine que oui. Tu savais qu'elle a fait des études d'ingénieur? Non, mais on dirait qu'elle a changé sa matière principale pour faire art visuel. En fait, je pense pas qu'elle ait fini par réussir à la changer. Le formulaire est pas signé et en plus il est froissé. Comme si on avait voulu le jeter. Université de Californie, Beckerley, choix de la matière principale, automne 84, Marianne Ronan. Alors, ancienne matière principale, ingénierie, nouvelle matière principale, art visuel, et elle avait pas signé. D'accord. Qu'on n'a pas vu la statue. J'arrive pas à croire que c'était une ballerine. Marianne. Et elle était douée en plus. Ça lui ressemble tellement pas. On a tout vu. Ok. Tyler, t'as vu cette petite lumière? Je crois qu'on doit résoudre celui-là. Alors là, on a la lettre O. Lequel? Ah, mais il y en a partout. Oh là, oh là, oh là, oh là. Y en a partout des énigmes là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On va en faire celle-là, puis on en restera là pour la partie 2, sinon ça va être très long. La dame dorée, la revoilà. Elle est sur tout le panneau. Il y avait une figurine de la dame dorée dans la cachette près de la peinture du chasseur fou, non? Ah oui. Alors, ça a sans doute un rapport avec ce qu'on a trouvé dedans. Alors, dans le casier, il y avait le petit oiseau. Hé, j'arrive à déplacer la pièce près de la dame dorée. Toutes ces images. On dirait qu'elles datent de la vie de Maria d'avant Delos. Tu trouves pas? Ouais, pour certaines c'est le cas. Alors c'est peut-être ça. Il faut sûrement qu'on trouve quelles sont les vraies. Alors, elle était ballerine. La princesse qui fait de la danse, qui joue du violon, qui file de la laine. J'imagine que c'est ce qu'elle faisait pour s'amuser. T'as vu comme elle a l'air malheureuse sur toutes ces photos? Je crois que ça lui plaisait pas du tout. Le verrou. On dirait que la sage princesse essaie de fuir. Et que la dame dorée la regarde. Et là, ça ressemblerait à Sam. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame de côté, ça? Ça s'ouvre. Waouh. Alors, c'est un E ou c'est un L? Alors, on a un O, un E ou un L, je ne sais pas trop. On verra après s'il y a d'autres lettres dans les autres énigmes dans le prochain épisode. On va déjà regarder ce qu'il y a dedans. Il y a quoi dedans, cette fois? Alors... Waouh. Elle travaillait pour un horloger à Juno avant de partir vivre à Delos. Pas étonnant qu'elle ait été si manuelle. T'es comme temps pour l'horlogerie, revenu brut, 2500, déduction, enfin c'est son butin de salaire. C'est sa maison du lac. C'est Carole? Ouais, et Sam? Regarde-le, il a l'air si jeune et heureux. Son père. 17 mai 96, Marianne, j'espère que tu recevras cette lettre, mais comme tu n'as laissé aucune adresse où te joindre, je vais devoir l'envoyer à ta tante en espérant qu'elle te parvienne. Je t'écris pour t'informer que ta mère est décédée la semaine dernière. Les funérailles viennent de se terminer. La maison a vu passer beaucoup de monde toute la journée. Des amis, de la famille, des collègues et des membres de l'église.
Il est à présent 23h et je suis seule à la table de la cuisine, entourée par des dizaines de plateaux de nourriture, de bouquets de fleurs et de cartes de condoléances. Ta cousine Heidi a apporté un bel album rempli de photos de vacances à la Connor. Tu apparais sur chacune d'elles, mais tu n'étais pas là aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis plus de 4 ans et j'espère seulement que tu es bien arrivée en Alaska, ou bien où que ce soit, et que toi et ton enfant êtes en bonne santé. Ta mère était malade et dépressive depuis des années et je pense que tu te doutes de pourquoi. La douleur de se voir rejetée par sa propre fille, savoir qu'elle ne verra jamais grandir ses petits-enfants, ça l'a rongée comme un cancer et ça a fini par avoir raison d'elle. Toute cette souffrance parce que tu t'es enfuie comme une petite fille caractérielle au lieu d'accepter son aide quand tu es tombée enceinte hors mariage, après avoir quitté la fac et sans un sou en poche, si elle t'a proposé son aide, c'est parce qu'elle savait que tu n'étais pas prête pour élever correctement un enfant, Marianne. Le devoir d'une mère ne s'arrête pas le jour où son enfant quitte la maison. Maintenant que tu es mère à ton tour, j'espère que tu commences à comprendre qu'être parent, ce n'est pas seulement couver son enfant, c'est répondre à ses besoins et l'aider à prendre la route qui lui a été tracée, qu'il le veuille ou non. Je ne te dérangerai pas plus, tu as clairement fait comprendre tes intentions, je voulais juste que tu sois au courant, signé papa. Oh. Pardon ? Marianne était enceinte en 1992, avant même d'arriver ici. Avant nous. On aurait un frère ou une sœur quelque part ici. C'est possible, mais elle a pu l'abandonner, faire une fausse couche. Qui sait ? Oui, c'est vrai. Tu crois qu'on pourrait retrouver son père ? Tu veux dire le grand-père dont elle nous a jamais parlé ? Je suis pas sûre de vouloir. Ça te fait vraiment rien de savoir qu'on a de la famille ? Bien vu la lettre. Je crois pas qu'on a envie de ces gens-là dans nos vies. Ok, continuons de chercher. Donc on a eu la lettre O, une lettre E ou L. Je crois qu'on est censé résoudre celui-là. Mais bien sûr, je vais vous faire patienter pour la partie 3 et je pense que ce sera le final. Je sais pas, mais je pense qu'on n'est plus très loin de la fin. Donc on va en rester là pour cet épisode du chapitre 3 de Tell Me Why. C'est la partie 2. Donc on se retrouve très vite pour la partie 3. N'oubliez pas que le dernier Life is Strange qui s'appelle True Color sort au mois de septembre. Vous penserez bien que j'y serai dessus. Mais on se retrouve très vite pour la partie 3. En tout cas, je vous fais plein de bibi, plein de zouzou. J'espère que vous abonnerez à la chaîne. Le petit pouce en l'air, le petit pouce en bas. Qu'est-ce que vous en avez pensé pour vous? Qui est leur père, etc. En tout cas, plein de bisous. Et on se retrouve très vite. Bye bye.